Est-elle innocente? On ne sait pas. Je alikuwa asiye na hatia hatujui. Je suis en train de parler sur un thème. Niko nazungumzia kuhusu somo. La mission de l'église locale. Kazi ya kanisa ya mahali. Dans ta destinée glorieuse. Katika utio wako wenye kutukuka. J'ai vu sur le mur, on a écrit les rôles de l'église. Ce n'est pas vraiment ça. Si on peut corriger la mission, ça sera mieux. Kama ningeweza kusema kazi ya kanisa. Puisque quand on parle des rôles, ça donne une autre connotation. Tukisema kazi, en swahili ni kazi tu. Ça va? Ça va. Tu es fort. Ouais. Ok. On est en train de parler sur la mission de l'église. J'avais dit qu'il y a deux formes de l'église. La toute première, c'est l'église universelle. Cette église universelle, j'avais dit, c'est l'assemblée des célestes. Parce qu'elle n'est pas terrestre. Son origine, c'est céleste. Dans la conception de Dieu, la tête de cette église, c'est Jésus-Christ. C'est elle qui est céleste. J'ai dit, c'est l'assemblée des célestes. Des personnes qui sont réellement transformées. Réellement converties. Moi, quand je parle de conversion, j'ai toujours insisté sur un thème. Sur un bémol, je voulais dire. J'ai toujours insisté sur un bémol. Il y a la conversion made in Congo. Il y a la conversion made in céleste. Made in Congo, c'est ce que nous qui ne voyons pas les cœurs. Nous qui voyons seulement les carapaces, les physiques. Nous croyons que toi tu es converti. Vous croyez que moi je suis converti. Parce qu'il nous est impossible de voir le cœur de quelqu'un. J'avais prêché autrefois, j'ai dit, même dans la Bible, Philippe avait affronté la même réalité. Il a vu un Simon magicien qui vient se convertir. Il est venu même avec tout ce qu'il avait comme fétiche. On a pris ses fétiches, on a brûlé. On a pris Simon le magicien, on a baptisé. Et la Bible dit, on n'avait pas encore imposé la main. Simon le magicien, qui quand Philippe le regardait, il disait qu'il était converti. Puisque les démarches qu'il a faites, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pensons. Mais le Shabbat de son cœur, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Lui, quand il s'est approché, à la quête de la puissance, il ne s'était pas approché à la quête du salut. Les besoins qui ont fait kusema, que Simon le magicien vient auprès de Philippe, c'était la puissance qu'il voyait. La puissance n'est pas Dieu. Sio Mungu. Et même quand il s'est converti, la Bible dit il resta à côté de Philippe. Nasema, akabakia kando ya Philippe. Philippe, Dieu ne l'avait pas fait grâce. Kama vile Philippe, Mungu de comprendre neema, que ce type qui est à côté de toi, c'est lui dont tu as fait ton, je sais pas, ton disciple. Ule mbali fanya kuwa mwanafunzi wake. Il n'est pas avec toi. Yule yuko pamoja naye. Il était aveuglé de ça. Alifungwa macho kwa hiyo. Dieu fait grâce à qui Mungu veut anatendea neema anayotaka. Ce qui est caché. Ya kuona anaoficha. Le jour que Pierre est venu. Sasa siku Petro alikuja. Ils se sont approchés. Wakamkaribia. Ils ont vu que Simon le magicien. Wakaona Simon msuda alikuwa pale. Biblia inasema hivi. Il ne quitta plus jamais Philippe. Hakukua na muacha tena kama Philippe. Il était avec Philippe. Alikuwa pamoja na Philippe. Il mangeait avec Philippe. Alikula pamoja na Filipo. Tout ce qu'il pourchassait, yote alikuwa nakimbilia. C'était la grande puissance. Ilikuwa ni uwezo mkuu. C'était na soifé de la puissance. Alikuwa na kiu ya ya. Parce que nous ne voyons pas le cœur des gens. Kwa sababu atuone moyo wa watu. Nous pouvons faire de n'importe qui auprès de nous. Tunaweza kufanya kila yeyote mtu. Un collaborateur. Akuwe mwenzetu na kazi. Un serviteur. Akuwe mfanya kazi. Parce que il a présenté les fruits. Kwa sababu alibainisha matunda. Ya kwetu sisi wanadamu. Que vraiment c'est un fruit de conversion. Tunasema hii ni matunda ya kubadilika. En soi, les cœurs, ce n'est que Dieu qui voit. Alléluia. Amen.
Ce n'est que Dieu qui ni Mungu tu ndo anaona. C'est ainsi que nous allons trouver. Ndio maana tutakuelewa. Au lieu que l'église avance. Kama kanisa singeendelea. Et l'église commence à reculer. Kanisa inaanza kurudi nyuma. Parce que c'est plein de personnes. Sababu inachia watu. Qui sont à la quête du pouvoir. Ambao wanatafuta tu mamlaka. Qui sont à la quête de positionnement. Wanatafuta tu hali. Je suis à l'église pour devenir ceci. Mimi niko kanisani nikuwe mtu fulani. Ils ne sont pas là pour Dieu. Hawako pale kwa ajili ya Mungu. Ils ne sont pas là pour servir. Hawako pale kwa ajili ya kutumikia. Alors, comme nous sommes limités. Kwa kuwa tunakuwa na mipaka. Nous disons qui sont tunasema wanakuwa wetu. Et nous nous caribichons. Na tunawakaribisha. Et nous travaillons ensemble. Na tunatumika sote pamoja. Ndio nasema. Mwacheni watu watumike. Mais à la fin. Lakini kwa mwisho. Je vais moi-même glaner. Mimi mwenyewe nitavuna. Et on est en train de dire ceci. Na tuko tunasema hivi. L'église céleste. Lakini kanisa ya kutoka juu. C'est pour les célestes. Inakuwa ya watu wanatoka juu. Contre l'église locale. Lakini kanisa ya mahali. Kama vile Gamaliel Temple. C'est l'assemblée des sauvés. Inakuwa mkusanyiko aliookolewa. Des saints qui sont célestes. Ya wale ambao wanatoka juu. Qui se réunissent. Ambao wanakutanyika. Pour écouter Dieu. Ili kusikia Mungu. Et pour partager des grâces. Na kugawanya neema. C'est ces sauvés là. Ni wale waliookolewa. Qui font à ce que l'église locale. Ambao wanafanya kanisa ya mahali. Ipate kuwa hai. Ces sauvés. Wale waliookolewa. Dieu a sauvé. Ambao Mungu aliokoa. Il leur donne des dons. Wapatia karama. Karama ya huduma. Ambo lazima wangekubaliana. Mimi sina hiyo karama. Huyu anakuwa na hii karama. Anakuwa nguvu yangu. Anakuwa sifa yangu. Kwa sina huduma hii. Huyu ana hiyo huduma. Sisi tunaenda kufanya kazi pamoja ili tuwe mkono mmoja. Haleluya. C'est ça l'église locale. Iyo ndo kanisa. C'est l'ensemble des sauvés. Ni mkusanyiko aliokolewa. Quand on dit sauvés. Tukisema aliokolewa. Ce sont des personnes réellement sauvées. Ni watu kweli kweli waliokolewa. Ils sont sauvés dans la chair. Wanaokolewa katika mwili. Ils sont sauvés dans leur pensée. Wanaokolewa katika fikra yao. Na katika mwenendo wao. Je vais répondre à une question. Naweza kujibu kwa swali moja. Mtu mmoja aliniambia. Est-ce que quand on est converti. Wakati tunabadilika. La Bible dit. Biblia inasema. Toutes les choses anciennes sont passées. Vyote vya mbele vinapita. Et voilà la personne est devenue nouvelle. Na mtu anakuwa kiumbe kipya. Existe-t-il encore des liens? Je, kuna kwa tena des possessions, des enfoutements pour celui qui est sauvé. Est-ce qu'existe-t-il? Je réponds à cette question. Il est réellement dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Quand la Bible parle des choses anciennes, sont vitu vya kale vimepita, quelles sont ces choses qui sont passées? C'est-à-dire en réalité, usema kwa ukweli, tu t'es converti à Christ. Kwa Kristo, tu deviens une nouvelle créature. Unakuwa kiumbe kipya. Cela veut dire quoi? Iyo nasema nini? Dieu ne compte plus. Mungu hahesabu tena. Les erreurs que tu avais commis. Makosa uliyoyafanya. Quand tu étais encore païen. Wakati bado ulikuwa mpagani. Ulitoa mimba. Tu as forniqué. Wewe ulifanya uzinzi. Tu as volé. Uliiba. Tu as tué. Uliua. Tu as fait toutes ces choses. Ulifanya vyote vile. Mais maintenant tu es venu à Christ. Sasa umemkujia Kristo. La Bible dit. Biblia inasema. Il déchire ton ancien caractère. Il te trouve comme un nouveau-né. Anakuona kama mzaliwa mupya. Cela ne veut pas dire que tes liens, kwamba vifungo vyako, que tes possessions, kwamba kushikwa kwako, nao pia lipigwe. Les liens et les possessions, vifungo na kutawaliwa, partiront dans la marche. Itaacha wakati unatembea. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtu pamoja nami. Écoute, je vais vous expliquer. Sikia, ndo watafsiria vizuri. Nous sommes avec Jésus. Tuko pamoja na Yesu. Jean chapitre 1. Yohane sura yake ya kwanza. Si nous prenons ce Jean chapitre 1, tukianza sura yake ya kwanza, nous prenons le verset 42. Tukikamata mstari wa 42. Nous lire un peu. Nous allons comprendre tout ce que je vais parler. Yale la mission de l'église. Kazi ya kanisa. Pour ta destinée. Kwa ajili ya ujio wako ya utukufu. La mission de l'église. Jean pour chapitre. Ta destinée glorieuse. L'église a une mission. Kanisa na kazi. Pour ta destinée kwa ajili ya ujio wako. Qu'on peut nous lire. Utukufu. Jean chapitre 1 le verset 42. Il est écrit. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Et il rencontra Philippe. Il rencontra Philippe. Il lui dit. Il lui dit. Suis-moi. Suis-moi. C'est pas. C'est Philippe. Non, 42. 42. 42. Pardon, je m'excuse. Il les conduisit vers Jésus. Il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. Jésus l'ayant regardé, il dit. Tu es Simon. Tu es Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas. Tu seras appelé Cephas. Ce qui signifie Pierre. Ce qui signifie Pierre.
La mission de l'église kazi ya kanisa, sur ta destinée glorieuse. Kwa ajili ya ujio wako tukufu. Et nous allons prier. Nda sema juu hayo na tuna. Ça c'est Jésus. Hapa ni Yesu. Ça c'est Dieu. Hapa ni Mungu. Qui connaît qui vient? Ambaye anajua nani anakuja? Et avec quelle intention? Na anakuwa na lengo gani? Jésus est à la quête des disciples. Na Yesu akitafuta wanafunzi. Jésus n'a pas cherché des chrétiens. Yesu akutafuta wa Kristo. Jésus cherche des disciples. Yesu anatafuta wanafuasi. Il y a une grande différence entre disciples et chrétiens. Kuna tofauti kubwa kati ya Mkristo na mwanafunzi. Mwanafunzi. Les disciples là entre guillemets. Wanafunzi ama mitume. C'est un sacrifice. Inakuwa ni kuzabihu ama kujitoa. Ça demande un abandon total. Inalomba kujitoa kamilifu. L'énergie, la consécration. Inakuwa ni kujitoa kamilifu. Ça demande l'initiation. Inaomba pia kufunzwa. Ça demande l'apprentissage. Inaomba kufunzwa. Donc c'est quelque chose. Inakuwa kitu. Quand quelqu'un se prépare à être disciple. Ambapo mtu kama anajiandaa kuwa mwanafunzi. Il doit se disponibiliser. Lazima jiweke tayari. Et son temps. Na muda wake, et son intelligence, na akili yake, et son énergie, na nguvu yake, pour copier les maîtres, ili apate kumuiga mwalimu. En fait, le Shabbat d'un disciple, na lengo ya mwanafunzi, comme celui qui l'enseigne, akue kama yule anayemfunza, c'est devenir comme son pasteur, awe kama vile mchungaji wake, son prophète, awe kama vile nabii wake, imiter anaweza kumuiga msema kwa msema. Wakati mtu anaiga, il y a beaucoup d'efforts à fournir, unakuwa bidii kubwa ya kutumia. Évangéliste François, François. De la manière dont il marche. Jinsi anatembea. Un disciple à côté de son maître. Na mwanafunzi kwa kando kando wa mwalimu wake. S'asseoir comme son maître. Lazima ajifunze kukaa kama vile. Bwana wake kusema kama bwana wake. Voler l'expression. Anaweza kuima hata usemi. Il y a même d'autres qui sont influencés. Wengine ambao wanakuwa. Sa façon de prêcher. Anaweza kuiba hata hali yake ya kuhubiri. Hali yake ya kutembea kanisani. Les gens qui le connaissent. Kwa watu ambao hawamjui. Ils connaissaient son maître. Walikuwa wanajua bwana wake. Anazungumza kama fulani. Il fait des gestes comme anafanya hali kama parce que c'est un disciple. Kwa sababu ni mwanafunzi. Il a l'école de l'apprentissage. Anakuwa na mafunzo. C'est celui qui va à la maison de son maître. Mwanafunzi yule anaenda kwa nyumba ya bwana wake. Anaona jinsi analala. Jinsi anaamka. Il copie les caractères. Anaiga hali. Celui-là devient disciple. Yule anakuwa mwanafunzi. Mais par contre un chrétien. Kwa kinyume mkristo. C'est les conséquences. Inakuwa ni matokeo. Du disciple là. Ya wale wanafunzi. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi. C'était à Antioche. Ilikuwa huko Antiokia. Quand on a remarqué. Wakati walipotazama. Ce que les disciples faisaient. Yale ambayo wanafunzi walikuwa wanafanya. C'est un surnom, je peux dire. C'est un surnom. Il n'a jina ambao wanapanga watu. Il n'y a pas de chrétiens. Hakuna wa Kristo. Il y a seulement des disciples. Kuna wanafunzi tu. Qui vivent comme leur maître. Ambao wanaishi kama vile bwana wao. On voit le maître. Ndio maana wakiona bwana ndani mwao. On donne le nom du maître. Wanapatia jina ya bwana ambao wanaonisha. Alors ce qui fait défaut dans nos églises. Nafanya makosa kanisani. Nous aimons qu'on soit des chrétiens. Tunapenda tuwe wa Kristo. Nous refusons être disciples. Tunakatala kuwa wafuasi. C'est ça qui tue l'église. Ile ndio inaua kanisa. Parce qu'un chrétien. Kwa kuwa Mkristo. C'est les conséquences du disciple. Inakuwa matokeo ya ufuasi. Devenir chrétien. Kukuwa Mkristo. C'est les conséquences du disciple. Ni matokeo ya ufuasi. Les conséquences du suiveur. Inakuwa matokeo ya yule ambaye kunafuata Kristo. Suiveur de ton pasteur. Unakuwa mwenye kufuata mchungaji. Wakati unaangalia. Il marche comme Pierre. Anatembea kama Pierre. Il est comme Daniel. Anatembea kama Daniel. Il est comme Amisi. Parce qu'il a été disciple. Kwa sababu alikuwa mfuasi wa Amisi. Il parle, il fait des choses. Anafanya vitu kama Amisi. Alors on peut commencer à wanaweza kuambia. Ule ni Amisi bis. Ule ni Amisi. Ule ni Pierrot bis. Ule ni Pierrot bis. Même ton nom va disparaître. Acha jina yako itapotea. C'est le nom du maître qui va apparaître. Ni jina ya Bwana ndio itaonekana. Kwa kuwa unabayanisha. Ali. Nous mourons pourquoi? Na tunakufa kwa nini? Nous n'aimons pas l'école. Atutake nous n'aimons pas apprendre. Atutake nous aimons les parachutés. Tunataka kushuka tu kama moja. Nous voulons être. Tunapenda kuwa. Pendant qu'on n'est pas réellement. Wakati atuko. C'est ça qui tue l'église. Ile ndio naua kanisa leo. Partout dans beaucoup des églises. Mahali pote katika makanisa mahali. Il n'y a plus les pasteurs qui ont des fils. Hakuna tena wachungaji ambao wanakuwa na wana. Tunaenda tunagorogota huko. Non, c'est pas tous qui viennent à l'église. Haiko wote wanakuja kanisani. Ambao wanakuwa watoto wetu. Là ce sont des je ne sais pas. Des enfants qu'on a adoptés. Ni watoto ambao sisi walitupatia. On est des enfants adoptifs. Tuwatawale. Alléluia. Amen. Attends mon assiri quand je vais parler. Même si vous cette fâche. Je parle de la part de Dieu. Na sema kwa niaba yangu. Même si vous refusez vos amen, il y a un amen. Hata kama nakatala amen. Écoutez bien aimé. Pendant que nous sommes ici. Wakati tuko hapa. Pasteur Pierrot n'a pas un fils. Mtumishi Pierrot hana mwana. Le prophète qui est là n'a pas un fils. Na mtumishi mko pale. Tu es prophète. Hana. Ndugu na yaka mko nabii.
C'est apostolique. Mais tu as vraiment beaucoup les caractères du prophète. Quelqu'un peut nager avec les deux choses là. Mais retenez ce que je vais te dire après culte. Tu vas me voir. Alléluia. Le Mouzé qui est là n'a pas de n'a pas d'enfant. Nous tous qui sont ici, nous sommes soit les enfants du pasteur, de l'apôtre, même l'apôtre dans cette église. Nous nous collons à lui pour dire que nous sommes les enfants d'apôtre Titi. Toi, tu es l'enfant d'apôtre Titi. Tu es adopté. N'est qu'enfant de l'apôtre Titi. C'est lui qui a marché à ses pas. C'est lui qui a passé des nuits ici. On peut lui dire qu'il est papa Koulout. C'est ce qu'il va suivre. C'est pourquoi j'ai dit son nom. Pour qu'il regrette. Il a pas kujuta. Alléluia. Amen. Nous sommes là parce que nous sommes à l'église. L'église n'est pas composée de fidèles. La mission de l'église, elle n'est pas. La Bible ne nous a pas dit aller faire des croyants. Quand Jésus a envoyé les fidèles, la Bible me dit ceci. Il s'est approché des disciples. Il leur a dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Je vais vous donner ce pouvoir. Dans le ciel et sur la terre. Yote après il leur dit ceci, mais je vous envoie dans toutes les nations, ne me fais pas des églises. Alléluia. Amen. Il n'a pas envoyé qu'on fasse des églises. Il me dit tout c'est le Shabbat de chercher l'argent. C'est le Shabbat de se positionner. Mais les églises sont importantes parce que nous nous réunissons pour écouter Dieu, pour partager les grâces. Mais ça pullule à mourir. Arriver à Kinshasa ici et là-bas. Moi j'ai pas aimé. J'ai aimé le ministre de justice. Qui a dit il faut bapunguzer. Non, il habite. Parce que c'est nombreux. Si nous vivons les scènes que nous vivons avec les hommes de Dieu, c'est parce que nous sommes parachutés. Personne ne veut être enfant de personne. Personne alors. Et quand nous disons que vous allez passer à l'école, personne n'accepte. Moi, je connais aussi. C'est ça qui va détruire l'église. Si, pasteur, si nous ne casons pas sur ces choses, attendons-nous à un Gamaliel qui va disparaître. J'ai une histoire de Gamaliel que je n'ai pas vécue. La première église qui a donné naissance à Phila. La première église qui a donné naissance à telle église. Mais qui est devenu Phila par rapport à cette église. L'enfant a pris du poids. L'enfant a pris du poids. L'enfant a grandi. Les papas maigrissent. Les gens, ce sont des renouvellements. Pourquoi ça? Parce que nous refusons la vie. La racine. Jésus a dit aux disciples, écoute mes enfants, tout pouvoir m'a été donné, je vous l'accorde. Il va même plus loin, il dit, pour la mission que je vous ai donnée, je me suis limité en Israël, mais vous là, parce que vous irez dans toutes les nations de la terre, il leur a ajouté un plus, vous ferez des choses plus grandes que ce que je n'ai pas. Il leur dit, hein, vous ferez plus de choses que ce que moi j'ai fait. Parce que moi-même, je serai en vous. Et nitakuwa ndani mwenu, je vous aiderai. Nitawapaka. Il leur dit, na nawambia, allez-y, nendeni. Faites-moi des disciples. Munifanyizie wafuasi. Alléluia. Amen. Faites-moi des disciples. Munifanyizie wafuasi. De toutes les nations. Katika mataifa yote. De toutes les langues. Kila ndimi zote. Akisema munifanyizie makanisa. Nous faisons des églises. Wakati nafanya makanisa bila wafuasi. Ndio maana tuko tu kama mapondo. Hakuna mtu anaheshimu mwingine. C'est lui qui veut tirer, c'est lui qui essaie de monter. Il est tirba. C'est moi qui vais passer. C'est toutes ces guerres que nous voyons. Pourquoi? Parce que l'ordre, ce n'était pas ça. Mais si nous sommes dans l'église, la priorité devrait faire, qu'on fasse des disciples. Pourquoi des disciples? Wafasi? On va comprendre. Tutaelewa. La Bible me dit, Jésus, yes,
Il regarde anatazama. Jean qui venait, Simon qui venait. Anamtazama Simon anakuja. André. Andrea était avec son frère. Alikuwa na ndugu yake. Il venait. Alikuja. Jean chapitre 1 le verset 42. Yohane, nous venons de lire. Ils étaient non, c'est-à-dire André était avec Jean-Baptiste. Na André alikuwa na Jésus passait. Yesu alikuwa anapita. Jean-Baptiste regarde. Yohane Baptiste anaangalia. Il dit à André avec un autre serviteur. Andrea. Il lui dit. Anamwambia. Voici l'agneau qui ôte. Tazama mwana kondoo wa Mungu ondoe dhambi za dunia. Les autres lui disent, ah bon, c'est l'agneau qui ôte. Anambia. Il dit, mwana kondoo. Il est plus grand que moi. Yule anakuwa mkubwa kama mimi. Les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste ambao walikuwa na Yohane. La Bible dit ils l'ont quitté. Wakamwacha. Pour suivre Jésus. Kwa kumfuata Yesu. Et quand ils ont suivi Wakati walimfuata Yesu. Jésus les a amenés. Akawapeleka. Là où il était, nous voulons voir là où tu loges. Napenda nione mahali unaishi. Ils ont vu là où il logeait. Alikuwa naishi. Après il y a eu suite. Et la Bible me dit que Jésus cherchait les Wakati Yesu alitafuta wanafuasi. André avec son frère péché. Pamoja na ndugu yake walikuwa na roho samaki. Quand il a vu Jésus, alipoona Yesu. Il a pris Simon Pierre. Akamchukua Simon Petro. Il est allé après de Jésus. Akaenda karibu na Yesu. Il a dit, akasema, voici. Anasema c'est lui que la Bible parlait. Yule ambaye Biblia ilikuwa inamzungumzia Masiya wa Israeli. Pierre n'avait jamais vu Jésus. Na Petro alikuwa bado hayamwona Yesu. Jésus connaissait Pierre. Lakini Yesu alikuwa anamjua Petro, sikia mzuri. La Bible me dit, Biblia inasema, Jésus regarde Simon. Yesu anatazama Simoni. Il dit, anasema, Simon fils de Jonas. Anasema Simoni mwana wa Yona. Il dit, anasema, aujourd'hui, leo, dès maintenant, sasa, tu seras appelé, utaitwa, Cephas. Sefa. Ça veut dire Pierre. Inamaanisha Il a dit Petro. Seulement à celui-là. Inamaanisha, Simon fils de Jonas. Weye Simoni mwana wa Yona. Tu seras appelé, utaitwa, dans le temps qui viendra, kwa muda ambao utakuja, Cephas. Utaitwa Sefa. Jésus prit les noms. Na, et c'est facile qu'on la pierre. Yesu anakamata jina ya Sefa na mpatia. Quand vous lisez seulement comme ça, Petro, vous n'allez pas vile, comprendre ce qui s'était passé. Kuelewa yambo lipitikana. C'était un nouveau. Ilikuwa ya upya. Il n'était pas un disciple. Ah, yeye akoma anafunzi. Jésus cherchait des disciples. Yesu alikuwa anatafuta wafuasi. Il a regardé celui-là. Akatazama huyu mtu. Il a vu son cœur. Akaona moyo wake. Alléluia. Amen. Simon veut dire, Simon inamaanisha, c'est lui que Dieu entend. Yule ambao Mungu anasikia. Simon veut dire entendu. Simoni inamaanisha anayesikilika na Mungu. Pas attendre. C'est lui que Dieu entend. Yule Ça veut dire Mungu. Dieu entend. Donc son nom était beau. Jina yake ilikuwa nzuri. Cela ne demandait même pas qu'on change. Ile kubidi hata kubadilisha. Si au moins le nom était Mambweni. Kama jina yake ilikuwa Mambweni. Ou bien Lubingu. Voilà Lubingu. Je sais pas ce que ça veut dire mais mina fabriqué tout. Si Dieu n'amanisha ni la kire. Si ce nom était qui avait peut-être nous voyons dans un nom de malédiction et des choses comme ça. Tunaona katika majina mengine kuna kwa laana. Wangeweza kubadilisha. Mais le nom qui signifie. Lakini jina. Dieu entend. Nasema Mungu ana. Pourquoi on devrait l'enlever pour donner cette face? Ilibidi waitoe ili wampatie mwingine. Il avait déjà une destinée. Alikuwa tayari na uchi. C'est lui qui a changé le nom. Yule ambaye alibadilisha jina. C'est lui le créateur. Yule Mumbaji. Il connaît la raison de la création de Simon. Et quand il a regardé, peut-être c'est lui aussi qui va me renier. Na wewe naye pia atanikana. Il peut mourir. Anaweza kufa pia. Parce que quelqu'un est avec moi. Uto pamoja na mimi. Jésus savait déjà ce qui venait. Yesu alikuwa anajua yale ambayo yatatokea. Il regarde Simon. Anaangalia Simoni. Il regarde les réactions de Simon. Anaangalia mahali ya Simon. Aucun disciple n'a baisé. Hakuna mafuasi. Jésus lavait les disciples les pieds. Wakati Yesu alitafuta kuosha miguu ya wafuasi. Versatile vient il dit. Naye anakuya. Moi. Wa kumwanga na kula. Sasa mimi hautanaosha miguu. Un orgueilleux tout fait. Alikuwa mwana kiburi kabisa. Moi tu le feras pas. Mimi hautaniosha. Moi tu vas laver tout mon corps. Mimi utaniosha mwili mzima. Jésus regarde il dit. Yesu anaangalia anasema. Celui qui sait déjà laver. Yule ambaye amesha kuosha. Ana haja ya kunawa mara mbili. Tanaosha tu miguu yako. Yeye alikuwa anajikutana tu kila siku kujigonga. Jésus dit. Yesu anasema. Vous allez m'abandonner. Nanyi mtaniacha. Vous allez me fuir. Mtanikimbia. Quand je serai saisi. Wakati nitashikwa. Lui il dit. Yeye anasema. Tous peuvent partir. Wote wanaweza kwenda. Moi je serai avec. Mimi nitakuwa pamoja na wewe. Jésus parlait prophétiquement. Yesu alikuwa anazungumza kwa kinabii. Alikuwa anajua yale ambayo alikuwa. Na yeye katika kiburi. De se faire grand. Ya kujifanya mkuu. De se démarquer. Ya kujifanya tofauti. Il n'y a même pas de racisme. Asiwe na misisi. Il contredit son Alikuwa anaenda kinyume ya bwana wake. Anasema. Je n'irai pas loin de toi. Mimi sitaenda mbali na wewe. Nitakuwa pamoja nawe. Et quand il a essayé. Wakati alijaribu. La Bible elle est mystique. Biblia inakuwa kabisa fumbo. Qu'est-ce que la Bible quand elle dit? Sikia mbona Biblia inasema.
Elle a dit le frère de Malchus. Inasema c'est ndugu ya ya Malchus. Malchus c'était la personne que Simon Pierre avait coupé l'oreille. Malchus nule ambaye Simon alikata sikio yake. Son frère. Sasa ndugu yake. La Bible dit l'un de ses frères. Inasema mmoja wa ndugu zake. Qui a vu Simon? Ambaye alimuona Simon Petro. Dans la cour. Katika uwanja. En train de regarder Christ. Akiwa akiangalia Yesu kwa mbali. Même à l'intérieur il se ndani yake alikuwa anajiambia. Na mimi nipitilie inkuba. Que je passe aussi sur cela. Est-ce que je saurais tenir? Ndaweza kabisa. Il était en train de prier. Alikuwa akiomba. Regardez comment est-ce que Jésus. Alikuwa anaona jinsi Yesu alikuwa anavuia damu. Jésus avait dit. Yesu alisema. J'ai prié pour toi. Nilikuombea wewe. Pour que ta foi ne faille. Ili imani yako isiombe yombe. Et quand il a vu l'homme là qui est passé, wakati ali, huyo mtu alipita. Mais toi, sa wewe, je t'avais vu aussi. Nilikuona pamoja na yeye. Anaangalia na kataa. Il dit, nasema, tu ne connais pas ce que j'ai dit. Je ne connais pas. Mimi simjui. Il a renié Christ. Akamkana Yesu. Le même péché qu'il a commis. Hiyo hiyo dhambi aliyofanya. De renier Christ. Ya kumkana Yesu. C'est le même reniement. Ni hiyo hiyo kukana. Que Judas aussi a fait. Nayo pia Yuda alifanya. Malgré qu'il avait vendu. Igawaje alimuuza. Mais le sort de Judas. Lakini matokeo ya Yuda. Ambaye alikuwa mmoja wa wafuasi. Akaenda kujitundika. Heureusement la divinité. Kwa uweri. La destinée. Ya ujio. Avait pris soin de. Iliweza kushughulikia Petro. Parce que Jésus lui avait kwa déjà. Kwa Yesu alimwambia tayari. Tangu mwanzo kwamba nilikuombea wewe. Alléluia. J'ai prié pour toi. Nilikuombea. Pour prendre tes faiblesses en charge. Nilikukamata udhaifu wako. Sinon si je ne priais pas. Kama singelikuombea kwa ajili ya imani yako, nawe pia na ungi jitumbika. Na baada anamwambia hivi. Quand tu te convertiras. Wakati wewe utabadilika. Kisha hiyo matokeo yote. Ambayo itakutenga na mimi. Spirituellement. Katika kiroho. Na kimwili pia. Quand tu te wakati utabadilika. Ingine sasa nasema wakati utanirujia. Hapo utaweza pia kuimarisha ndugu zako. Amen. Là tu apprendras. Hapo utaimarisha. Sikia. Un chrétien qui n'est pas formé. Mkristo ambaye hafunzwe. Il va rien former. Hawezi kufunzwa pia. Il va rien t'apprendre. Hawezi kufunza chochote. Kwa sababu ce n'est pas seulement la Bible. Haiko tu Biblia. Ce n'est pas seulement les logos. Sio tu kusema. Il y a la contamination. Inakuwa pia kuambukiziana. De l'onction. Ya upako. De la vision. Ya maono. Vous savez quand nous venons ici prier. Najua wakati tunakuja hapa kuomba. Nous prions pour l'unité. Tunaomba kwa ajili ya umoja. Tunaomba juu ya umoja. Tukue batu bamoja. Que nous soyons unis. Tusikue division. Ça c'est de l'eau sur les dos des canards. Hiyo inakuwa maji juu ya mgongo ya bata. Ça. Hiyo. Nous passerons des années en train de prier. Tutapisha miaka tukiomba hivyo. La seule chose qui peut nous unir. Kitu moja ambacho inaweza kutuunganisha. C'est quand nous regardons dans la même direction. Wakati tunatazama katika mwendo moja. Nous confessons le même langage. Na tunakiri usemi moja. Nous pouvons faire ceci. Tunaweza fanya hii. Mais quand nous ne nous supportons pas. Lakini kama sisi hatuweze kukubaliana mwingine kwa mwingine. Nous prions. Tunaomba. Mais tu dis. Lakini unasema. Il fasse que ça allait être moi. Sa place là ingekuwa ni mimi. Hypocrite comme ça ne s'écrit pas ici. Na kunafiki kwa kwa yanzikiwe. Ce sont des gens qui. Ni watu wengine. Tunaluka luka kwa kuomba. Baba. Il parle de lakini wakati anazungumza hiyo moyo wake haikupenda. Son cœur ne te supporte pas. Moyo wake haikukubali. L'église. Kanisa. Tant que nous ne serons pas. Wakati wote. Disciple. Hatutakuwa wafuasi. Pour comprendre les dangers. Ili kuelewa mambo. Un disciple. Mfuasi. C'est celui qui comprend la souffrance de son maître. Ni yule anaelewa mateso ya bwana wake. Il le comprend. Anaelewa. Et il se charge de ça. Na yeye pia anaibeba. Pitié de son maître. Kwa sababu anakuwa na huruma ya bwana wake. Un disciple. Mfuasi. C'est celui même quand on lui dit rien. Ni yule ambaye hata waambie. Il habite avec son maître. Kwa kuwa anaishi na bwana wake. Il comprend les douleurs. Anaelewa uchungu. Il comprend la souffrance. Anaelewa mateso. Il comprend les réalités. Anaelewa matokeo. Il en fait un fardeau pour lui. Naye anakamata mzigo wake. Anakamata mzigo wake. Mais quand nous sommes lakini wakati tuko jinsi tuko. Nous venons bon. Tunakuja. Watu ni kanisa na tuchama. Nous venons parce que l'église nous réunit. Demain. Kesho. Demain. Kesho. Vous savez on est dans un monde de vitesse. Hapa tunakuwa katika ulimwengu ya kukimbia. La vitesse a gagné le monde. Na kukimbia imeisha kushinda ule mwanzo. Un pays qui veut devenir puissant. Na hapa inchi ambayo nataka kuwa yenye nguvu kabisa. Sur la technologie de vitesse. Ipate kutia kazi mingi kwa ajili ya teknolojia. Si aujourd'hui la Russie fait peur aux États-Unis. Kama leo Russia inaogopesha Marekani. Elle a développé
des missiles supersoniques. Kwa sababu ilijenga masilaha makuu. Vous entendez d'abord on dit supersoniques. Unasikia masilaha makuu. C'est-à-dire que même les radars ne peuvent pas voir. Nikusema hata mbwa inaweza kuidetectia iweshi. Avec une vitesse. Inapita na waraka. Les radars repèrent les sons après que ça ait causé des. Na yale ambayo ingeweza kuigundua inaisha kugundua na kisha kupita. Nous a même poursuivi dans nos aliments. Ulimwengu haraka na tufuata hata katika chakula. Tellement il a arrêté les engrais chimiques, la terre ne produit plus tel qu'on devrait produire. Kwa kuwa udongo haitoi tena matunda jinsi ilipaswa. La vitesse a fait qu'on crée des engrais. Na hiyo haraka ilifanya kwanza waumbe mboleo. Mboleo leo napanda mboga mboga na kesho mimi nayovuna. Na matokeo gani? Je vais manger, c'est bien. Nitakula vizuri. Je vais récolter ce que j'ai nitavuna ambao nilifanya siku mbili. Je devrais attendre dans 2 mois. Ambao ningeweza kungoja kwa miezi mbili. Na ipata siku 3. Je peux vendre, c'est bien. Naweza kuuzisha ni vizuri. Si quelqu'un suivit les informations hier. Kama mtu alifuata taarifa ya habari jana. Dans tous les Français. Akagundua kwamba katika Ufaransa wote. Dans leur sang. Katika damu yao. Il y a les particules de métallique plastique kuna kuwa les particules plastiques dans le sang du ya plastique c'est ça qui cause les cancers les malformations hiyo ndio inaleta makansa na inafanya watu wasiwe na akili. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que regarde tout ce que nous avons aujourd'hui c'est en plastique. Tazama yote tunayo inakuwa tu ni ya plastique. L'eau qui est buvable c'est l'eau qui vient de plastique. Moyo mai tunakunywa inakuwa katika mavyombo ya plastiki. Même des eaux que nous achetons. Hata mai tunauza. On les met dans des plastiques. Tunaitia pia kwenye maplastiki. On les garde à la température. Tusingeitia katika ubaridi ya kweli tunetia tena kwenye chuo. Na jua inapiga tena kwenye hiyo chombo. Inayeyuka kidogo. Ninaenda kuingia inakuwa uchafu ndani ya maji. Wakati walichambua damu ya wale watu wa Ulaya. Inasema wanangoja mauti mengi. Hiyo yote kwa nini? Inakuwa ni ukimbia. Ya kanisa. Dieu n'a pas besoin de la vitesse. Kanisa Mungu ana hataki ukimbia. Alléluia. Amen. Je me convertis léo. Badilika léo. Et léo qu'on fasse de moi. Et aujourd'hui, bah, fanye mimi. L'église n'a pas besoin des intimidations comme ça. Kanisa haina haja ya kutishwa. Parce que tu te crois avoir l'argent. Kwa sababu unazani wako una pesa. Parce que tu te crois supporter beaucoup de choses de l'église. Kwa sababu na wewe unaleta msaada mimi kanisani. Wewe una alors nous aussi par crainte de te perdre. Na sisi pia kwa uoga ya kusema usiende. Nous te disons, oh, yeah. Si il quittait l'église. Akitoka kanisani. Ça sera catastrophique. Yeye itakuwa maafa kabisa. Kanisa ni ya Mungu. Le patron c'est Dieu. Na mwenye utajiri ni Mungu. Il y a personne qui peut, il ne demande même pas qu'on l'aide. Na Mungu aombi hata wamsaidie. Dans la Bible, on nous a montré quelqu'un qui voulait aider Dieu. Katika Biblia wanatuonesha mtu alitafuta kumsaidia Mungu. Mungu akamua. Mungu anajitosheleza mwenyewe. C'est pourquoi nous plaçons des gens. Domani tunaweka watu. Que nous les imaginons. Jinsi tunavyowafikiria. Qu'on ne perd pas François. Tusimpoteze François. Papa. Sois évangéliste. Wewe kuwe mwinjilisti. Pour qu'on ne perd pas Amisi. Tusimpoteze Amisi. Il a des bus, il a comme ça, ça nous aide pour l'église. Kwa kuwa na kuwana mabasi, natusaidia kwenye kanisa. Sois docteur. Wewe unakuwa daktari. Mama mwalimu. Et quand docteur passe, c'est un infirmier. Wakati anapita munganga, anakuwa tu ni munganga mdogo. Mais on colle les noms. Lakini unampa jina. Bonjour docteur. Jambo daktari. Et quand on ne fait pas mention de toi, na kama awakutazamia wewe, tu te crois toi-même les noms. Même les noms que Dieu ne t'a pas appelé. Hata jina ambayo Mungu akukuita. Quand Dieu attend, on t'appelle à la susumuka. Wakati Mungu anakuita. On dit, mais c'est celui-là, il dit, ah bon. Ni yeye huyo. Sema, abatu boko na biake. Et les gens ont leur trick. J'ai dit, nasema, la mission de l'église, kazi ya kanisa, elle est là pour t'accompagner dans ta destinée. Inakuwa pale kusindikiza katika ujio wako. Ta destinée est céleste. Na ujio wako unatoka juu. Tu es dans l'église. Na kwa kuwa unakuwa kanisani. Tu es céleste aussi. Wewe unakuwa wa juu. Dieu a équipé l'église. Mungu alipana kanisa. Pour qu'elle t'assiste. Ili pate wewe kufunza na kukuongoza. Parce que l'église. Kwa sababu kanisa. Par ses serviteurs. Kupitia watumishi wake. Ils savent. Inachua. En collaboration avec Dieu. Pamoja na Mungu. Ce qui est essentiel. Yale ambayo inakuwa ya maana kwako. Wanatazama Petro. Anasema shetani alikudai. Même si. Hata kama. Je t'avais changé le nom. Nilibadilisha jina. Le diable continue. Shetani anaendelea kudai. Nikasema siku ya tatu. On ne réclame que ce qui t'a. Hawezi kudai ambayo sio yako. Quand il était avec Christ. Hata wakati ulikuwa na Kristo. Son indication.
hata kama alikana Kristo mwenendo wake mafunzo yake ya wanafunzi wote jambo lilikuwa mbaya sana ilikuwa ya Petro. C'est lui qui avait donc quand je parle de belliqueux wakati mnasema ambaye alikuwa mbaya il croyait difficilement yeye alikuwa naamini kwa ugumu même le caractère de Thomas alikuwa hata na hali ya Thomas Thomas quand Christ est ressuscité wakati Yesu alifufuka anatazama Yesu anasema mimi siamini la manière dont t'avait tapé jinsi wewe walikufanya la manière dont on a vu tu es jinsi walikuona tuliona jinsi ulikufa au kukufa tu kwa kustuka wakakupiga mkuke anasema kama ni wewe accepte que ruhusu je mette mes doigts niingize vidole vyangu dans tes plaies katika vidonda vyako ili nipate na mimi hiyo hiyo hali c'est la même réaction c'est ni hali hali pio na Simon Petro caractère de tous alikuwa na hali ya wote ndani mwake Yesu anatupanda kwenye maji anatazama na sema sasa bwana kama ni wewe ruhusu kama na mimi nitembee nikuje mbele yako Thomas aussi dit Thomas naye anasema kama ni wewe ili nikubali kama ulifufuka kuya niingize vidole vyangu alleluya amen le même fait hiyo hiyo hali pour lesquels Jésus avait blâmé. Ambao Yesu alishutuma. C'est le même caractère qui était. Donc katika c'était hali yote. C'était un fil à retordre. Et yeye alikuwa kabisa alikuwa uzi. Malgré ça. Ya kufu ya kushona tena. Lakini ingawaje yote ujio wake ulikuwa kubwa. Lakini ili ile ujio ipate kufaulu. Ilimbidi yeye achongwe. Il fallait qu'il soit taillé. Ilimbidi achongwe. Et pour être taillé. Ili apate kuchongwa. Il devait vivre. Il bidi aishi na bwana. Il devrait se réveiller. Il bidi amke. Il devrait vivre. Il bidi aishi. Jusqu'à ce que mpaka Jesse atterrir. Naweza kuachia pale. Quand il voulait partir. Wakati Yesu alitafuta kwenda. Il regarde Simon. Anatazama Simone. Il lui a dit. Alimwambia. J'ai pris pour toi. Nimekuombea. Pour que ta foi. Ili imani yako. Ne défaille pas. Isiyumbe yumbe. Quand Christ est mort. Wakati Yesu alikufa. Et qu'il est ressuscité. Akafufuka. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi. Simon Pierre Simoni Petro était perdu. Alipotea. Effectivement. Kweli kweli. Il était perdu. Alipotea. Il a repris les pêches. Akarudilia kuoa samaki. Pamoja na ndugu zake. Il a repris la pêche. Akarudia kuoa samaki. Il était dans son ambiance. Alikuwa katika hali yake hiyo. Biblia inaenda mbali. Quand Jésus les a wakati Yesu aliwakuta. Il a remarqué que c'était Jésus. Akaona kwamba ni Yesu. Akajitupa majini. Sikia useme wake. Bwana. Ne t'approche pas. Wewe usinikaribie mimi. Parce que je suis kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Est-ce qu'un disciple peut dire ça? Je, mwanafunzi anaweza kusema vile? La prophétie refusée. Na unabii ulikuwa nakataa. L'attraper. Alikuwa na unabii alikuwa nakataa ilimkuta. Sema nilikuombea ili imani yako isiyumbe yumbe. Quand Christ s'est approché, il a dit. Wakati Yesu alimkaribia? Je suis un pécheur. Mimi ni mwenye dhambi. Ne t'approche pas. Usinikaribie. Mais quand il était côte à côte. Lakini wakati alikuwa karibu kabisa na Yesu. Hiyo usemi haikukua. Gamaliel. 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 Nous voulons grandir. Tunataka koma. Nous voulons faire face au vent qui nous arrive. Tunapenda kusimama zidi ya upepo ambao unakuja. Le vent qui nous arrive n'est pas bon. Upepo ambao unakuja haiko nzuri. Avec notre foi ici. Pamoja na imani yetu hii. Qui n'est pas assis. Ambao haisimikwe kabisa. Une foi de critique. Imani ya kuteta. Une foi de division. Imani ya kugawanya. Une foi de colportage. Imani ya kusema mabaya wengine. Avec le vent qui nous arrive. Pamoja na upepo unatujia. Le vent là n'arrive pas seulement à Gamaliel. Na hiyo upepo haikuje tu Gamaliel Temple. Les églises. Katika makanisa yote ya ulimwengu. Nous fermerons cette église. Tutafunga ikanisa hii. Itabakia tu ya jina. Ça va rester des noms. Vile lishabakia ya jina. Comme c'était resté déjà des noms. Nous sauve, nous cherchons à recoller les morceaux. Tunapenda kushona vipande. Kama kuunganisha. Kulikuwa na mtu. Qui a connu Gamaliel? Ambaye alimjua Gamaliel. Qui a connu les Seba? Ambaye alijua Seba? Qui a connu tous? Il a connu le bishop. Alimjua pia hata mtume. Cet homme. Huyo mtu. Il m'a tellement blessé dans le cœur. Alinimiza sana moyoni. Il me voit, il dit tu pries où mon. Ananiona ananiambia unaomba hapa ndugu yangu. Je suis à Gamaliel. Sema nakuwa kwenye Gamaliel. Sasa tu es dans le reste de ceux qui vivaient. Unasema unabakia miongoni mwa wale ambao walikuwa naishi. Écoutez, c'est un serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu. Il me dit tu es dans l'église du reste de ceux qui vivaient. Unakuwa katika kanisa ya mabaki ya wale walikuwa naishi. Moi j'ai connu Gamaliel. Sasa mimi nilimuona nilimjua Gamaliel na Seba.
l'église. Là, les gens entraient, sortaient en débandade. La parole, la puissance, l'onction. Uwezo, mamlaka, yote, na upako ilienda. Ce n'est pas le souci hein, de tout ce monde ici. Na hiyo, haiko ndo shida kila mtu. Nous regardons ce qui faisait la vie. Tunaangalia ambao enye ilikuwa nafanya uzima tunaipiga vita. Nous combattons ce qui faisait la vie. Tunapiga vita ambayo kuna leta uzima. La spirituelle nous l'étouffons. Hiyo hali ya kiroho ambayo ilikuwa tunaizimisha. Nous nous contentons de porter le nom de Gamaliel. Na sisi tunafurahia tu kubeba jina Gamaliel. Il m'explique des choses. Ananichambulia vitu. Il me dit, est-ce que tu sais dans cette église il y a eu des morts qui ont été ressuscités? Je unajua katika kanisa kulikuwa wafu walifufuka. Est-ce que tu sais que dans cette église il y a ça l'évangile est né de cette église pour remplir cette ville ici? Unajua kama injili ilitokea ndani ya Gamaliel temple juu ya kujaza mji wote? Na yote inaenda wapi? Muro yangu ilibaki kidogo niseme ah mimi ndio mimi nikaka visiteur. Et c'était resté juste un peu pour que je dise, moi je suis seulement un visiteur à Gamaliel Temple. Ça fait mal. Na yana umiza kabisa. Vous, c'est parce que vous venez, vous vous asseyez seulement, vous rentrez. Ninyi mnakuja mnakaa na mnarudi tu ndo maana. Ça fait mal. Lakini na umiza kabisa. Quand vous vivez au passé. Kama mnaishi kwa nous avons un Dieu qui est je suis. Ijapo tuna Mungu ambaye iko. Nous portons l'étiquette du passé. Na sisi tunavaa tu ngozi ya yale ambayo ilipita. Je sais pas si Angel Chibalonza. Elle était d'ici. Anasema pia kuhusu dada Raymond Angel Chibalonza. Est-ce que vous j'apprends seulement je la connais pas. Est-ce que tu connais Angel Chibalonza? Sasa unamjua Angel Chibalonza? Sasa mimi si amoni. Vous êtes. Sasa mko wapi sasa? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen.